Ça revient à Veillette. Veillette s'avance au cercle droit. Veillette envoie Pellerin. Pellerin de l'espace s'avance, son tir. La rondelle qui est bloquée par la vallée qui ne donne pas de retour. Et on aura une mise au jeu à l'autre côté pour Blouin. Blouin qui est frappé par Vermette, mais sortie de territoire réussie par Saint-Onge. Saint-Onge, pleine vitesse face à Bégin. Saint-Onge envoie devant le filet, le tir, le but. Et les Tigres qui prennent les devants 1-0. Tommy Cormier qui marque un 22e but cette saison. Belle passe de Mathieu Saint-Onge. À Fortin qui s'avance, son tir, la rondelle qui est bloquée. Et c'est repris par Desruisseaux. Desruisseaux qui voulait reprendre. Envoie à Carrier. Carrier, son tir et le but! Et voilà le premier avec les Axes. Pour Édouard Carrier qui crée l'égalité 1-1. Et par Desruisseaux. Desruisseaux avec la rondelle. Envoie pour Rodzinski. On voit pour Bédard ensuite. Bédard son tir. La rondelle qui est bloquée défensivement. La rondelle qui revient devant le filet. Le tir! Quel arrêt de Darvaux au départ de Desruisseaux par Bédard. Et Bédard qui veut laisser pour Desruisseaux. Ça revient vers Fortin. Attaque à 3. Fortin avec Desruisseaux et Tremblay-Mathieu. Fortin son tir bloqué par Darvaux. Ça revient. Jeu intercepté par Lavigne. Lavigne avec la rondelle. Lavigne devant le filet. Le tir! L'arrêt de Lavallée deux fois. Charles-Antoine Lavallée à deux reprises qui a privé Justin Larose. Et la rondelle qui est finalement immobilisé par le gardien des Sags. Mais Lavallée qui empêche Justin Larose de redonner les devants au Tigre en début de deuxième période. Vachon. Vachon qui est frappé, rejoint par deux joueurs des Tigres. Vachon, beau jeu. Ça permet à Bégin de récupérer. Ensuite, le tir et le but! Emmanuel Vermette qui donne les devants aux Sags. Pour Otinski. Fortin son tir. C'est dévié défensivement, mais Fortin réussit à reprendre. Fortin, transversal pour Lojko, le tir et le but! Quelle passe de Fabrice Fortin et André Lojko qui marque et c'est 3-1! On venait d'apporter des changements du côté des Sags. Longue passe vers Saint-Onge. Husserau qui reprend. Il se trouve envoyé de l'autre côté, mais sa passe qui rate, Carrier va envoyer de l'autre côté. La passe tire le but. Et les Tigres qui réduisent l'écart 3-2. Une passe devant le filet pour Egor Gorionov. Qui bat Charles-Antoine Lavallée et c'est 3-2. Mise au jeu remporté par les Sags, mais c'est les Tigres qui sautent sur la rondelle. Attention, possible 2 contre 1. Pellerin avec Lavigne, mais beau repli de Vermette. Mais la passe pour Lavigne qui réussit le but. Malgré le beau repli d'Emmanuel Vermette, Maël Lavigne qui réussit à récupérer la rondelle et marquer son premier but avec les Tigres. L'ancien du Drakkar. C'est repris par Husserau. Longue passe pour Lojko. Lojko voulait envoyer de l'autre côté. C'est repris par Massé. Massé avec la rondelle, s'avance, veut couper dans l'enclave, son tir et le but! Maxime Massé! Et c'est 4-3! Envoie de l'autre côté pour Kingsley. Kingsley vers Gorionov, ça passe. Il est tenté, attention, Lavigne veut s'échapper. Lavigne, il y a de l'espace, la fin de le tir et bel arrêt de Lavallée qui empêche Maël Lavigne de marquer son deuxième but du match. La rade mise au jeu en territoire des Sags. Fortin qui récupère. Fortin quitte son territoire. C'est intercepté par Cormier. Longue passe pour Veillette. Un contre un face à Mann. Veillette, son tir bloqué par Lavallée. Et autre mise au jeu en territoire des Sags. Et là, Veillette qui bouscule Mann. Mesure. Alors de bons résultats. Ça revient Roy. Roy, son tir. Alors de qui dévie le but. Et c'est sur un drôle de but que les Tigres vont créer l'égalité 4-4. Un tir de Pierre-Olivier Roy qui a dévié devant le filet et a surpris Charles-Antoine Lavallée. Pointe droite pour Husserau. Husserau à Desrosiers. Son tir, la rondelle qui rate la cible. Et c'est repris par Roy vers Vermette. Vermette avec la rondelle. Envoie Gravel dans l'enclave. Son tir et le but! Zachary Gravel et c'est 5-4!
récupéré par Veillette. Envoie pour Roy. Roy avec la rondelle. Fait glisser derrière pour Veillette. Veillette face à Desrosiers. C'est repris par Morin qui va dans un dégagement. Et le dégagement se retrouve dans le fond du filet. Et c'est 6 à 4 pour les Aigles. Alexis Morin. Qui permet aux Aigles de prendre les devants par deux. Et c'est le but qui va faire la différence.